Alors, j'ai envie de dire que c'est ton grand comeback. Hein. On va dire que j'adore ce mot, mais c'est la vérité. Je suis désolé. Ça fait... Non, mais ça fait 6 mois que t'as pas fait une interview. Je t'ai manqué? Ben oui, tu m'as manqué. Oh mon Tu amour. m'as manqué, je te courais après, tu me répondais plus. Non mais j'étais occupée. Fallait bien, voilà J'avais plus quoi. aucune nouvelle, moi, de toi, Mon amour. Ah, je plaisante. Dis-moi. Ah, la salope. M'en fous, je suis plein de make-up, hein. Donc ton cousin, tu vas te faire bien dessus. Mon Dieu! Oh mon Dieu! Je viens de changer les draps. Ben écoute, fallait pas me gifler avec ton coussin. Et dis-moi, pourquoi tu mets le coussin sur ton ventre, hein? On va dire que c'est la raison pour laquelle je me suis mis au sport. Trop de caviar à Noël? Avec la crème fraîche. 40% de matière grasse. Bref, écoute, on arrête le délire. On vous donne rendez-vous demain pour une interview totalement surréaliste. Parce que la Miss Tinguette, c'est vrai qu'elle crée la polémique maintenant depuis quelques semaines. Surtout sur les jours qui viennent de passer, voilà, on peut dire que c'est une polémique internationale. Je vois pas de quoi tu parles. Bref, je vous donne rendez-vous demain en compagnie de Mélanie et d'une guest, d'une surprise. Soyez bien présents, à demain. Et toi, attention, je vais me venger. Parce que là, tu m'as foutu Mon ça dans la gueule!